Bonsoir à tous les téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision et bienvenue à la toute première édition du mois d'octobre de votre émission Le Mag PCI que contient votre magazine en ligne. Découvrons-le ensemble. Débutons avec méditons ensemble une citation du prophète William Marion Branham dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Il est noté au paragraphe 171 « Quand un homme reçoit le baptême de feu, il y a beaucoup de bruit là autour. Il pense que c'est une honte d'entendre des gens hurler et crier comme ça. » Deuxième rubrique, éditorial du frère Augustin Macken titré cette semaine « Porteur de la bonne nouvelle et ministre de la réconciliation, il est écrit que notre vocation c'est prendre ce qui est déjà suffisamment compliqué dans la vie des gens et de le rendre simple. Le menu actualité présente le culte du dimanche 25 septembre 2022 au Love Divine Sanctuary Douala dans l'écoute de la bande, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre avec pour modérateur le révérend pasteur Simplice Essokoum. L'écho d'ici d'ailleurs détaille l'actualité de toutes les églises filles et sœurs. À la une, le culte du dimanche 25 septembre 2022 à l'église des Toa sur le titre « Plus de prières, plus de bénédictions sous l'eau du pasteur Kamwe Victor ». La réunion de prière du dimanche soir 25 septembre 2022 au Love Divine Sanctuary Douala sous le thème « La victoire après un combat » apporté par le frère Noé Shogo. Déroulons à présent l'onglet exhortation avec pour titre « Nous sommes des gagneurs d'âmes à l'exemple de Christ ». Nous pouvons lire au sixième paragraphe que beaucoup de croyants prient pour le salut des inconvertis. Ils seront perdus si nous nous contentons de prier. Christ ne peut leur parler qu'au travers de nous. La lettre aux compatriotes de la diaspora du frère Emmanuel Mabvoué avec en gras « Comment résister à la tentation ». La leçon à apprendre dans nos épreuves. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ouvrons la rubrique nouvelle série titrée cette fois « Attention au péché de la médisance, nous avons tous besoin de la puissance protectrice du Seigneur ». Il est écrit plus bas, je cite « Le Christ entend chaque parole de dénigrement prononcée contre ses enfants. Il voit quand ils sont distraits dans leur travail parce que des personnes qui se mêlent de tout au lieu de s'occuper de leurs propres tâches veulent se charger de celles d'autrui ». La biographie du prophète William Branham au chapitre 68 « Déplaçant sa priorité 1955. Une campagne de guérison du côté de Chicago fut l'occasion pour Frère Branham de prêcher sur le fondement fondamental pour la foi, la position en Christ, les sept noms composés de Jéhovah, combattant pour la foi. Il décrivit à cet effet l'histoire spirituelle de sa vie. La suite dans votre magazine. Les infos utiles de la semaine. Formation certifiante, devenir un responsable du suivi et évaluation, devenir un responsable logistique dans l'action humanitaire. Formation en présentiel ou en ligne. Cogéné recherche pour besoin de ses services des éleveurs. Le PADES de la société Aldiana est partenaire et à la recherche de plusieurs profils. Résultat définitif du recrutement des 3000 instituteurs contractuels 2022-2023 disponibles. La Fondation Denis et Lenora Foritia recrute 13 postes à pouvoir. L'Assaut des Cotons recrute des jeunes ayant au moins le BEPC ou l'équivalent et âgés de 21 à 50 ans. Pao Beauty Santa lance une formation en make-up, onglerie et coiffure du côté de Yaoundé. Opportunité de formation diplômante au Vocational Training Institute des délégués médicaux. Vous avez également la liste des top 10 des concours ouverts au Cameroun. Une annonce. Le révérend pasteur Samuel Baouya a le regret d'annoncer le départ pour la maison paternelle de notre sœur Nicole Ombala du Love Divine Sanctuary des suites de maladie. Que son âme repose en paix. Nous espérons que vous avez été immensément bénis par le contenu de votre magazine en ligne. Retrouvez tous les détails sur info.parocreatrice.org. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.